patron. Oui, bonjour. Comment allez-vous, patron? Oui, c'est Costi. Ah, vous m'avez reconnu. Voilà. Dites, j'ai reçu... Salvatore m'a envoyé la circulaire. Non. Pas la scie circulaire. La note, vous voyez? Non. Pas la note de musique. Comment vous expliquer? Ah, le parchemin. Voilà. Donc, voilà, il m'a envoyé ça au galop. Non, pas au galop à cheval. C'est une expression. Vous voyez? Vous voyez pas? Voilà. Il m'a envoyé ça par mail. Non. Je vous expliquais. Vous savez, il a écrit une lettre. Voilà, le parchemin, pardon, excusez-moi. Et il a envoyé par le téléphone. Je vous avais expliqué déjà comment ça se faisait. Voilà, la lettre passait à travers le fil du téléphone. C'est ça, voilà. Et donc, dans votre parchemin, vous avez mentionné qu'il y avait aujourd'hui, vous avez réuni le conseil d'administration de la société. Voilà, c'était à mon sujet par rapport à Salvatore et au comptable. Parce que voilà, la compagnie MSC, elle fait actuellement des super promos. Vous aimez? Et voilà, patron, j'ai pensé à vous. Parce qu'il y a eu le Black Friday qui a duré 2 mois. Actuellement, c'est la super promo qui va durer 1 mois. Et après, ils vont lever super, il va rester que la promo. Vous voyez pas? Voilà. Et donc, si vous préférez, c'est demain. Parce que je vous avais parlé d'une éventuelle deuxième semaine par rapport au nouveau commandant. Eh, patron, j'ai pensé à tout ça. Alors, Salvatore, il m'a dit que vous avez réuni le conseil d'administration. C'est combien de personnes déjà? Ah, c'est vous et votre dame. Voilà. Ouais, je ne le dis pas. Alors, patron, la décision, vous allez la prendre quand? Parce que c'est demain. Demain, nous rentrons à Marseille. Eh oui. Et là, nous sommes à Barcelona. Voilà. Je vous parle en espagnol parce que c'est Barcelone, normalement. Hein? Voilà. Et je vous cache pas que j'ai pensé à vous. Je vous ai acheté une boîte de cirage. Eh, patron, voilà, j'ai pris la couleur noire. Voilà. Ben, je vais vous prendre aussi la brosse. Voilà. Si ça peut aider, voilà. Alors, patron, merci. Je vais attendre donc la délibération. Essayez avant ce soir, s'il vous plaît. Parce que demain, voilà. Et puis ça permettra de mieux connaître le nouveau commandant. Voilà. Et je suis toujours incognito, mais de moins en moins. Voilà. Allez, patron, je vais attendre la délibération. Mes amitiés à votre dame. Si ça peut aider. Ouais, vous êtes trop gentil, patron. Voilà. Vous savez, hein, je vais me donner corps et âme. Non, pas vous, à votre société. Voilà. Allez, patron. Voilà. N'oubliez pas que je vous ai acheté la boîte de cirage. Hein. Voilà. Non. C'est... Vous cirez les pompes. Non, pas la pompe à vélo. C'est une expression. Cirer les pompes. Hein. Voilà, faux cul, quoi. Non. Excusez-moi. Non. Un légume, par exemple. Paillot. Eh, patron. Je sais que vous aimez. Ouais. Allez, patron. On m'appelle. Jessica? Oui, c'est...
Angela. Si je reste. Oui, c'est pour manger une gélatine. Angela. Voilà. Allez, j'attends. Voilà. Par téléphone, c'est mieux. Voilà. Ne vous gênez pas. On m'a appelé. Hein? Allez. Voilà. Allez. Bonne délibération. Mes amitiés à votre dame. Hein? Voilà. Allez, merci. Allez, au revoir. Au revoir. Merci patron, ce que vous faites ici-bas, un jour.